rapport sorti après l'assassinat de Jovenel Moïse. Premier rapport a sorti dans le mois d'août 2021 après la police judiciaire de CPJ de remettre le premier rapport partiel à la commissaire gouvernement. Nous avons analysé le rapport ça et avec l'autre information que nous avons fait, nous avons fait un rapport. Et deuxième rapport, c'est 6 mois après l'assassinat qui sorti jeudi et passé, jour 6 janvier 2022, pour nous montrer que 6 mois après, la police judiciaire n'a pas continué à approfondir l'enquête là. Et parce que son rapport, une enquête, un rapport passé à le trimètre, et pas d'instruction au niveau cabinet d'instruction. Et j'ai là avec greffier, c'est à sceller la parcelle des gens qui ont un mandat contre eux, ils ont pris de l'argent. Et les gens qui ont invité dans le cabinet d'instruction, c'est comme ils ont payé pour en pile là-dedans pour être capable d'entendre. Et je ne pas dire tout, mais gagné là-dedans. Donc, dans ce sens-là, nous voyons, avant l'assassinat de Jovenel, qu'il y a une série d'institutions qui étaient connectées avec la police judiciaire, base de données d'institutions. C'est pour AVCT, immigration, DGI avec ONU. Ils ont déconnecté avant l'assassinat, après l'assassinat, ils ont déconnecté et jusqu'à ce qu'ils ont déconnecté. Et nous voyons tout, et gagner 5 personnes qui et planifier, coordonner, exécuter criminel. Et alors, coordonner pour exécuter criminel, c'est Joseph Badio, John Joel Joseph, Dimitri Ra et Civil Laguel avec et Dragon. Malheureusement, tout le monde connaît, le 17 novembre 2021, Dragon mourit dans la condition jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. M. Yodil a fait Covid en la prison. Hein? Et l'aile nouvelle hôpital, c'est même jour nouvel hôpital là, un petit temps après, il mourit, côté que l'oxygène était baissé, il était plus passé 60 et il va tenir l'hôpital à temps. Donc, c'est un élément clé là dans le dossier. Et qui ça nous fait nous-mêmes RNDDH? 6 mois après, nous analyser, nous joignons directeur général, ancien directeur général de la police, Léon Charles, il a fait obstruction avec l'enquête là. Il a contrôlé l'enquête là. Et côté que il n'y a pas prend aucune disposition pour et il n'y a pas aucune démarche, aucune disposition pour la police judiciaire de reconnecter avec l'institution pour te faciliter l'enquête là. Et nous et tout c'est sous leadership li, après enquêteur de CPJ fin remettre premier rapport partiel mais inspecteur général qui était là la époque là le 1er octobre 2021 il a commencé convoquer policiers qui était sous enquête là, dans l'inspection générale, c'était pour intimider ou pour mettre en prison. Et tout l'autre jour là, dans le mois de décembre, les juges ont invité Léon Charles dans le cabinet d'instruction. Léon Charles allait avec 53 policiers, et il y a 2-3 policiers administratifs, après ça, tout l'autre jour, c'est des policiers dans l'unité spécialisée. Il est débarqué avec 7 machines. Pour qui ça? Parce qu'il y a un bagage. Qu'il gagne pour le cacher, est-ce qu'il gagne pour intimider Jija? Et puis tout, gagne John Joel Joseph, dans le mois de juillet 2021, DCPJ a identifié l'identité non caille dans l'île à voix. Après, il a été cité soleil, après ça, il a l'île à voix, il a le caché. Et c'est Léon Charles, le DCPJ a mené une enquête, une opération dans la caille pour prendre Michel, à souhait. Et Léon Charles informé Michel et il fait des CPJ à le faire et aller dans la journée pour assurer pour ne pas venir, pour ne pas arrêter là. Donc il a protégé. Et nous joignons, Léon Charles était parlé avec Badjo, il était parlé avec et Vincent et l'autre et interprète et qui est concerné. Solage. Bon, c'est, il a été parlé, il a été communiqué. Parler dans le téléphone ou bien? Oui, dans le téléphone. Après l'assassinat. Entre Vincent avec Soleil, il y a parlé 12 fois. Et là, la police judiciaire, la police exécutée des Colombiens dans Mon Calvaire, là où arrêté l'autre Colombien avec Vincent et Soleil, ils ont mené pour visiter tout le commissaire qui a été là. Léon Charles rentré dans le bureau commissaire provincial. Il fait plus passer une temps avec Vincent et Solar, il a parlé. Je ne sais pas qui ça a discuté, mais c'est au point. Mais si tu as une instruction
qui t'a mené, eh bien, tu as capable de dire ça. Malheureusement, pas d'instruction et pas d'enquête. Maintenant, ça qui fait nous réjouir au niveau RNDDH, c'est parce que jeudi a fait exactement 9 jours, côté que la justice américaine s'est saisie du dossier et mené Palacios aux États-Unis. Et Yotandel et Palacios parlaient. Palacios tellement parlé, ou il est Palador. Il tellement parlé. Et ou bien tout, Jacques, ou Dorja, qui c'est un amour qui finançait le crime. Monsieur, le 11 décembre 2021, il fait une interview avec New York Times. Vous voulez nous connaître l'interview New York Times, et pas pendant Jacques, en République dominicaine. Il était fait en Haïti le 11 décembre. Et Jean, c'est dans le commencement Jean qui a la semaine passée allé en République dominicaine et puis il a arrêté. Il était une protection et autorité. Donc, il a collaboré avec le FBI. Donc, Jean, nous avons enquêté à piétiner en Haïti, côté que Ariel, dans le mois d'octobre 2021, 4 mois après l'assassinat, il a rencontré avec Badjo 2 fois dans la nuit. Et dans une caille et Badjo, il y a gain pour arrêter Badjo, il y a gain pour prendre une Joël Joseph. Si l'autorité ici en Haïti qui a protégé les gens qui sont impliqués dans le crime, si vous n'avez pas assassiné, yo. Mais c'est ça, vous pouvez quitter le pays? Et alors, John Joël Joseph quitte le pays, mais Badjo toujours en Haïti, sous protection de la primature. Et Jean lui-même, il fait interview ça depuis le 11 décembre et nous voyons c'est un mois après interview, il vient faire un texte sur ça. Bon, peut-être qu'il fait un arrangement avec New York Times pour te dire pour le un petit temps, mais Jean-Baptiste Gréot, en prison en Haïti, il voulait collaborer avec et il voulait collaborer sur le CSA et pour le prendre en République dominicaine là pour collaborer avec FBI. Nous disons dans RNDDH, nous convaincus, les gens qui payent le crime et que au niveau, et dans plus haut niveau, et dans le gouvernement ça qui là, ils ont parlé de CPJ à chercher qu'on est qui est-ce qui paye pour le crime, parce que FBI a eu une information, a eu des CPJ information sur les transactions qui sont faites dans des banques, ils doivent chercher information sur parler. Mais nous connaissons avec la justice américaine qui saisit le dossier ça, il y a besoin de parrain criminel, il y a besoin de papa, maman, parrain marine. Parce que si il y a mon gros cité, c'est des CPJ qui vous baillent. Par exemple, ça, nous-mêmes, nous avons une idée. Nous lisons enquête des CPJ, nous lisons rapport des CPJ, nous lisons procès verbal, audition, juge, dépêche et fait. Et dans la première vague, le premier monde qui a arrêté, et c'est sur ça que nous intervenons. Donc, nous ne sommes pas capables de citer le monde et que nous n'avons pas d'informations sur nous. Donc, là, par exemple, mon Abdou et Léon Charles va parler avec Badjo. Comment je vais parler avec Badjo? Bon, mon journaliste en a ici qui dit, moi-même qui ai l'expérience de Léon Charles, joue criminel pendant 7 fois parce que bon, c'est mensonge. Mais le directeur général de la police, il a assassiné Jovenel, il a 2 fois joué par la reine pendant tous les fois. Après ça, il a moins cabriné pendant 9 jours, il n'a pas de travail avec lui. Finalement, bon, mais ça va. Il dit ça qui a passé, c'est qu'on va aller dans le cachet. Et puis après ça, il nous réunit. C'est normal. Comment cause tu n'es pas là avec ça, non tout? Oui, je ne peux pas parler avec moi. Et alors, il y a des gens qui parlent avec ça, non, ça me semble. Même plus beau garçon, parce que mon nez est plus bichel. Donc, il y a des gens qui sont en contact avec ça, non, même. Mais là, oui, moi, plus beau garçon, que mon nez est plus jeune. Donc, c'est pour y avoir l'autre monde. Ça, pour y faire, c'est pour y avoir une vraie photo, pour y montrer. Et on ne peut pas parler avec ça, non. Et. Oui, RNDDH, n'a pas bataille pour la société à Chita sur l'état des voies. Même Jean Oué n'a dénoncé tout crime qui était fait sur Jovenel Moïse, Diego Charles, Marie-Antoinette Dupont et mon frère Guédoval, 13 massacres que nous documentons dans le quartier défavorisé, nous voulons tout
justice pour Jovenel Moïse. C'est dérive que nous avons dénoncé sur Jovenel Moïse, mais nous n'avons jamais demandé pour être assassiné. Il est clair que l'équipe qui est au pouvoir, ça là, il y a un bagage qui est caché dans l'assassinat. Pour qui ça ne fait pas faciliter l'enquête là, n'a permettre que les CPJ reconnectent avec l'institution ça pour continuer l'enquête là. Pour qui ça, il y a un juge à l'ordre, il y a même un bail parce que le juge à l'ordre, et pour le juge à l'ordre, les CPJ pour commission rogatoire. Pour qui ça, 4 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, qui a lié à rencontre avec Badjo, 2 rencontres, 2 fois, là, la caillou. Pour qui ça? Vraiment, c'est New York Times. Et information sortie dans le ventre, en dedans, Donc, c'est comme ça. Parce que leur autorité, moi-même, là, je suis sorti de ma machine, mal n'importe quoi, mais leur autorité, mon autorité ici, je vous pensez en affaire, je trouve que mon avec. Eh bien, mon avec, il n'y a pas de. Après Jovenel, il y a 23 policiers qui composaient de 3 unités dans la police qui étaient là, ils étaient dans la caille là, ils n'ont pas de sécurité et ils ont quitté le tuer. Amen. C'est même bien tout. Vous êtes capable de gens qui est avec vous, qui est là, qui est proche, qui autorité pour vous, qui dénonce. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakai, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakai.